Bonjour à tous, bonjour, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, je vais dire bonjour aux personnes qui sont là. Je vois Self-Education Methodology qui est là, je vois Imani qui est là aussi, bonjour. Luciana est avec nous, Yossi est là aussi, Stardust est là, comment ça va Stardust? Samara, bonjour. Qui est-ce qu'il y a d'autre? Cosmina est là aussi, Robert qui dit qu'il est nouveau, bienvenue Robert. Ne vous inquiétez pas, tout va bien, les gens sont sympathiques, nous allons faire des exercices, vous allez participer, tout va bien se passer. Et je dois dire un grand merci à Robert, puisque Robert m'offre un café. Merci Robert! C'est très gentil, c'est très très gentil, merci. Alors, très bien, Robert va découvrir que nous sommes des gens très polis parce que nous avons fait des exercices qui n'en finissent jamais sur la politesse et les bonnes manières. Alors, Johanna est là, bonjour, Victoria Posse est là aussi. N70 est là, Tenzing, bonjour aussi. Qui est-ce qu'il y a d'autre? Alors attendez, je regarde, Annabelle est là aussi. Oh, c'est très gentil. Annabelle est courageuse parce que c'est le soir chez elle, mais c'est une femme forte et courageuse. Qui est-ce qu'il y a d'autre? Désiré, bonjour. Victoria Jacques est réveillée. Yesero est avec nous. Jolie Tom est là aussi, bonjour. Himabindu est là. Fatima est avec nous aussi. Qui est-ce qu'il y a d'autre? Hillary est là aussi. DS, bonjour. J. Vincent est là. Evelyne, Eve aussi. Tout le monde est là. Merashkan aussi. Et puis, ben voilà. On peut peut-être commencer, si vous voulez bien, avec quelque chose de très, très important. Et pour cette chose, je vais devoir utiliser, eh bien, un accessoire. Regardez, puisque demain,
à 12h, je vous l'annonce officiellement avec mon accessoire pour les moments importants. Je vais, youpi, me faire vacciner demain à 12h. Eh oui. Et je suis un homme heureux. Allez, voilà. Donc demain à 12h, je me fais vacciner. Donc logiquement, le cours va se dérouler normalement. Si il y a une raison quelconque qui m'empêche de faire le cours, je vous tiendrai informé, d'accord ? Mais normalement, pas de problème. Et alors là, allez-y, les deux bras si vous voulez, pas de problème, pas de problème. Et après ça, ça sera beaucoup plus sympathique. Voilà, merci. Alors, Yossi qui dit quel vaccin ? Ici, dans les pays nordiques, pour mon âge, et comme je suis un homme officiellement pas très vieux encore, c'est Pfizer, c'est pas AstraZeneca. AstraZeneca, c'est pour les personnes qui sont un petit peu plus âgées, peut-être. Allez, on n'oublie pas que... On est là pour étudier, mais on est là pour cliquer aussi. Il faut bien entendu cliquer. Alors aujourd'hui, hein, bien sûr, puisque hier, personne n'avait trouvé le nombre magique, eh bien aujourd'hui, vous aurez bien sûr la possibilité de gagner un accès pour la plateforme qui est juste ici, frenchforme.net. Allez, Chériline, posez la question. Attention, Chériline, est-ce que vous êtes prête? Comme je vous ai dit, c'est une nouvelle vie qui commence. Eh bien, oui. Allez, si on attaque les choses sérieuses, à vous la parole, à vous la parole. Aimez-vous conduire? Oui ou non? Et pourquoi? Est-ce que vous aimez conduire? Oui, non et pourquoi? Une petite phrase, s'il vous plaît. Alors j'attends bien sûr avec impatience vos réponses, vos phrases et en attendant, pour les personnes qui sont arrivées, je vous invite à cliquer sur le petit bouton like, s'il vous plaît, ce serait très gentil. Alors c'est J. Vincent qui commence et qui nous dit non. Je demande à quelqu'un d'autre de conduire pour moi. Je déteste ça. Très bien. Mac qui dit bonjour à tous. J'ai cliqué. C'est très bien de cliquer. C'est un réflexe.
le réflexe qu'il faut avoir, un réflexe qu'on doit systématiquement avoir. Giovanna qui dit « Oui, j'adore conduire, je chantais fort dans ma voiture ». Giovanna fait des concerts dans la voiture. Moi aussi, c'est vrai, on aime bien chanter parfois dans la voiture. Victoria Jacques qui dit « Absolument pas parce que je suis impatiente, mais j'aime être le DJ ». Ah, Victoria Jacques, c'est la copilote. C'est celle qui s'occupe de la musique et peut-être de l'itinéraire. Ensuite, j'adore conduire et non dans la circulation. Qu'est-ce que ça veut dire à l'ouverte? Est-ce que vous voulez dire à la campagne? Yossi qui nous dit « Oui, j'aime conduire, pas de problème, mais mon épouse conduit mieux que moi ». Riena, j'aime conduire, mais je n'ai plus de voiture. Très bien. Ben écoutez, comme moi, un homme libre. Il y a quelques années, j'ai décidé d'arrêter complètement la voiture. Et c'est un sentiment très agréable. Stardust, oui, j'aime quand je n'ai pas à conduire moi-même. Je préfère m'asseoir à côté et regarder le paysage et chanter et parler. Tranquille, tranquille, on profite plus du voyage et du paysage, c'est vrai. Jeff qui nous dit « J'aime conduire quand je pars de ma maison ». Bah bien sûr, bien sûr, bien sûr. Gordy, bonjour, bonjour Gordy. Gordy, s'il vous plaît. Il ne faut pas avoir peur, Gordy. On clique sur le like et on participe. Il faut écrire. Vouslat, bonjour, bonjour. Jonah Edwards, oui, j'aime conduire vite. Attention, respectons. Respectons quelques règles. Imane qui nous dit, j'adore conduire. Johanna qui dit, je ne pense pas que je suis doué pour conduire et je ne suis pas une fan des voitures pour en conduire une, mais je vais voir quand j'arriverai en France. De toute façon, j'ai réussi à obtenir mon permis à peine après ma 40e année. Eh ben voilà, ça c'est une bonne indication. Roman qui nous dit bonjour, bonjour Roman, même chose. Hein. On clique sur le like, merci. Cosmina qui nous dit oui, j'aime conduire, mais les autres personnes n'aiment pas me voir conduire. Vous vous souvenez de la religieuse qui apparaissait dans les films de Louis de Funès? Oui! Dans le gendarme, hein. Dans le gendarme, ah oui, la religieuse avec sa coiffe, je lui ressemble beaucoup. Ah, il ne faut pas conduire, alors Cosmina, c'est dangereux. Eh oui, une histoire intéressante, elle s'appelait Jean-Claude de Sailly, et l'actrice, oh, je ne vais pas en parler. Elle a eu une carrière qui était un petit peu triste parce qu'elle était directement associée à ce rôle. Luciana, oui, j'aime conduire parce qu'il peut nous donner parfois une sensation de liberté. Et oui, c'est vrai. Ensuite, Annabelle qui dit oui, car c'est pratique. Et oui. Hilary, oui, j'aime conduire parce que je peux aller dans les endroits où je veux. Eh ben oui. Monique qui nous rejoint. Bonjour Monique. Ice Cubes aussi. Coucou, on n'oublie pas de cliquer sur le like. Effectivement, Fatima qui dit « Oui, j'aime conduire jusqu'au moment où je dois changer les pneus. » Eh oui, eh oui. Ah, après, c'est les professionnels qui font ça. Cosmina, la religieuse chauffeuse. Oui, 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 oui. Ah, je la connais, oui, oui. C'est un personnage culte de cette série des gendarmes de Saint-Tropez. Victoria Possé, je n'aime pas conduire, seulement si c'est nécessaire. Et oui, je ne suis pas pressée maintenant, et ça c'est vrai. DS, je ne conduis pas parce que je n'ai pas de permis de conduire à cause de l'épilepsie, mais je fais du vélo. Vélo formidable. Le vélo, c'est vraiment très très agréable. Ensuite, je regarde. Lynn, oui, quand j'étais en Irlande, c'était amusant de conduire de l'autre côté de la voiture et de la route. Ice Cubes, je n'aime pas conduire, mais m'asseoir à côté quand quelqu'un conduit pour moi. Très bien, merci beaucoup. Merci. Notre objectif, il est ici. C'est 100 likes, s'il vous plaît.
Allez, la chanson du jour, la chanson que je vous recommande, c'est une chanson que je trouve très sympathique, que j'ai pas mal écoutée aujourd'hui, et ça s'appelle « L'autre bout du monde », d'une chanteuse française, d'une artiste française, je ne sais pas si vous la connaissez, elle s'appelle Émilie Loiseau, et vraiment, je vous conseille d'écouter cette chanson. Comme d'habitude, je mets... Oups, ah oui, c'est toujours après, attendez... Est-ce que... Ah non, c'est pas là. Eh bien écoutez, c'est dans la playlist. La playlist, normalement, vous la voyez. Et oui, ici, vous voyez, je viens de la mettre. Donc c'est la playlist de Spotify. Vous pouvez écouter cette chanson d'Émilie Loiseau. L'autre bout du monde, chanson magnifique. Allez, petit exercice, écoutez bien, attention, attention, comme d'habitude, je ne donne pas la signification, la définition de ces mots, l'idée c'est de se concentrer uniquement sur la prononciation, et donc, si vous voulez connaître ces mots, cherchez-les vous-même, ça vous fera une belle liste de mots, et ça pourrait être très, très sympathique. Allez, attention, je le prononce juste une fois. Écrivez-le, s'il vous plaît. N'écrivez pas la lettre, mais écrivez le mot que je prononce. Allez-y, attention. Accident. Allez-y. Alors effectivement, c'est très très bien, donc nous étions à la recherche du premier, hein, accident, comme vous voyez ici. Je vais, comme d'habitude, prononcer les deux pour que ce soit bien clair. Le premier que nous avions, accident, et le deuxième, qui est vraiment une nasale pour le début, un incident, d'accord ? Accident en premier, incident, le B. On continue avec le numéro 2. Attention, allocation. Écrivez-le, s'il vous plaît. Alors, Leslie nous rejoint. Bonjour, Leslie. Unemploy nous rejoint aussi. Bonjour, comment ça va? Alors oui, hein, ce que je vois, c'est très très bien, ça a l'air d'être très clair, et c'est effectivement allocation. Allocation, on l'écrit A-L-L-O-C-A-T-I-O-N, donc pas de problème, c'était effectivement le A. Je vais prononcer les deux pour que ce soit bien bien clair. Le premier, allocation, et le deuxième, allocution. D'accord ? Allocation, le A. Allocution, le B. Allez, on continue avec le numéro 3. Numéro 3, collusion. Allez-y.
Alors, Robert, non, this is not really advanced, Robert. It's more intermediate than advanced. But for this lesson, I am doing that in French. So if you want to have the same lessons in French and English, but mostly in English, in that case, you should come on Monday and on Thursday, because this is when we have the class in English and in French, d'accord? So today it will be in French, and then tomorrow it will be also in French. Just for information, for the next lesson in French and English would be on Monday, exactly at the same time. Alors, dans cette situation, nous étions à la recherche du B. Collusion, d'accord? Collusion, regardons ensemble. Le A, collision. Collision et le B, collusion. D'accord? Collision A, collusion B. Regardons le numéro 4. Le numéro 4, confirmer. Écrivez-le, s'il vous plaît. Alors, je regarde, oui, très bien, effectivement, donc c'était le premier, confirmé, d'accord. Le deuxième, eh bien, on le prononce infirmé, hein. Donc nous sommes d'accord que tous ces mots existent, qui sont très très proches. Alors faites attention, donc le A, confirmé, et le B, infirmé. Allez, on y va, numéro 5. Numéro 5, attention. Conjoncture. Écrivez-le, s'il vous plaît. Allez, regardons ensemble. Et oui, c'est très bien. Donc, c'était le B, conjoncture, d'accord? Conjoncture, ça, c'était le B, celui que vous deviez écrire. Je vais vous prononcer les deux, encore une fois. Le premier, conjecture, d'accord? Conjecture. Et le deuxième, conjoncture, donc nasal, nasal. Conjecture, conjoncture. Voilà. Allez, merci beaucoup. Et oui. N'oublions pas d'essayer d'arriver aux 100 likes pour ce cours. C'est possible, probablement. Allez, comme d'habitude, la phrase du jour. La phrase du jour, s'il vous plaît, c'est pour vous une phrase pour parler d'hier ou d'aujourd'hui. Allez-y. Thank you.
Alors, que se passe-t-il? Regardez, Stardust a écrit quelque chose d'important. J'ai passé une soirée très instructive. Et ce matin, ce que j'attendais depuis si longtemps est enfin arrivé. Aujourd'hui, le soleil brille pour moi, même s'il pleut dehors. Eh bien, ça, c'est important dans la vie. C'est important. Ah, ça continue. J'ai encore besoin de gaufres au caramel et à la cannelle, mais ce n'est pas grave. Les gaufres, c'est bon. Les gaufres, c'est bon. Les gaufres au caramel, ça doit être délicieux. La cannelle, c'est pas mal. Annabelle, une journée douce. Ah ben ça, c'est pas mal. Ça, c'est bien. Une journée douce, c'est une belle chose. Gloria. Alors, qui a rendu à Gloria... Donc, quelqu'un a rendu visite à une femme souffrant de maladie mentale qui a apporté de la nourriture. Un homme ou une femme ou vous, qui a rendu souffrant... Ou j'ai rendu? Ça n'est pas clair. Ça n'est pas clair, Gloria. Bombville Lover nous rejoint. Bonjour. Cliquez sur le like, s'il vous plaît. Mojita, d'accord, ça discute. Tenzing, hier je suis allé chez le dentiste, très bien. J. Vincent, très venteux, une rafale de vent a soufflé l'un de nos pots de fleurs suspendus du patio. Waouh, sur le trottoir en contrebas. Oh, ah donc c'est dangereux, donc ça a soufflé et le pot de fleurs est tombé. Ça fait peur. J'ai des vacances de Pâques et je suis paresseux. Ça n'est pas grave, la paresse, c'est parfois une bonne chose. Fatima, il fait un peu frais aujourd'hui et nous avons même une légère bruine. Ça peut être sympathique aussi, une bruine. Stella, j'ai reçu mon deuxième vaccin de Pfizer. Je suis totalement vaccinée. Et là, je dis, Stella... Bravo. Eh oui, Stella, félicitations, c'est formidable. Comme j'ai expliqué, moi, c'est demain. Demain, j'y vais. Lynn, hier, j'ai fait la leçon de français et aussi fait les courses. Yossi, je nettoie la maison parce que nous avons des invités demain et ma femme cuisine. Unemployed qui nous dit « Aujourd'hui, je sens que je suis plus énergique pour apprendre quelque chose de nouveau. » Eh ben voilà, ça c'est formidable. Olga, hier, le soleil était très fort toute la journée, c'était fantastique. Eh ben oui. Vous, cela, il fait beau aujourd'hui et je me sens bien même s'il y a le confinement. Très bien. Roman, je suis heureux aujourd'hui parce qu'aujourd'hui j'ai remis deux tâches que j'ai terminées. Eh ben voilà. Félicitations, Roman. Rihanna, hier j'ai fait du poulet rôti avec du riz. Un bon poulet rôti, ça c'est délicieux. Giovanna qui nous dit « Aujourd'hui, il fait chaud, donc je me cacherai dans ma maison. » Juan qui nous rejoint « Bonjour, Hilary, j'ai mangé des pancakes. » Ah, avec quoi, Hilary, avec quoi? Il faut donner des détails. Quand on parle de cuisine, ici, il faut donner des détails. Yesero, je n'ai rien d'intéressant à dire. Eh bien, ça arrive. Johanna, ma journée a été très bonne jusqu'à ce que ce type commence à nous agacer avec ses messages répétitifs et absurdes. Désolé pour être incroyablement franche. Peut-être que c'est un défaut. Oh ben non, mais non. Ne vous inquiétez pas, tout va bien, j'ai cliqué. Leslie, aujourd'hui j'ai pratiqué la conduite pour obtenir mon permis français. Ce n'est pas facile, je suis un peu stressée. Oui, c'est normal, Leslie. Leslie, vous êtes dans une grande ville ou une petite ville où ça peut changer un peu pour la circulation. C'est parfois un peu stressant quand vous êtes dans une ville qui est assez grande. Hier, j'ai dormi un remarquable 13 heures. Ouh, 13 heures, c'est pas mal. Luciana, j'ai dû... qu'un autre voisin a commencé des réparations aussi. La tranquillité, c'est très difficile. Ah, ben ça répare.
tout à la perceuse. Peut-être qu'il faut faire vous aussi, à Luciana. Alberto, je veux que chaque jour je veux me connecter chaque jour à votre cours en ligne. Eh bien, vous êtes bienvenue. Sophia X, hier il faisait beau. J'ai rendu visite à une copine à l'extérieur de sa maison, en face du lac, en buvant du vin rouge. Boum ! J'espère qu'il ne fait pas trop froid si vous êtes à l'extérieur. Ensuite, je regarde. Oh, ben ça discute là. Gracie qui dit aujourd'hui c'est vendredi, c'est la fin de la semaine. Eh ben ça c'est vrai. Ice Cubes qui nous dit. Alors attendez. J'étais au travail toute la journée. Il fait encore beau pour participer sur le balcon avec un verre de vin blanc. Eh ben oui, c'est vrai que c'est le week-end. Yossi, vous êtes nerveux à cause du vaccin? Non, allons. Pas du tout. Au contraire, moi je veux mon vaccin. Et j'ai fait les réservations pour le billet d'avion. Ça y est, moi j'attends les vaccins et après, vip, je voyage. Allez, un petit exercice sur les abréviations. Les abréviations sont très très courantes en français comme dans beaucoup d'autres langues. Mais c'est toujours un petit peu compliqué, c'est toujours un petit peu difficile de savoir ou de comprendre ce que ces abréviations veulent dire. Donc nous allons travailler sur ces abréviations ensemble. Regardez, la première, la voici, la voilà. ADR, alors dites-moi s'il vous plaît, écrivez-moi mais de quoi cette abréviation est, allez-y. Alors c'est vrai, vous êtes presque 100 et c'est formidable. Mais il ne faut pas oublier de cliquer sur le like. Notre objectif, c'est d'arriver à 100 likes. Merci. Alors, je regarde. Et oui, effectivement. Hein, effectivement. Alors, ça, c'est rare. Cherylyn qui n'est pas sûre. C'est suffisamment rare, Cherylyn, pour le noter, pour le remarquer. Effectivement, mais c'était bien, pas de doute. Donc, oui, c'est effectivement l'abréviation qu'on utilise pour adresse. Hein, souvenez-vous qu'en français, adresse, on l'écrit A-D-R-E-S-S. Une adresse, c'est féminin. Allez, regardons le numéro 2. APP, qu'est-ce que ça pourrait être? Allez-y, écrivez-moi le mot. Bien sûr, s'il y a un article, mettez l'article, s'il vous plaît, pour savoir si c'est masculin ou féminin. Allez-y. Luciana qui dit « Je pense que Cherylyn va dire Adrélaïne. » Eh bien non, elle ne peut pas. «
Alors, en général, il y a des doutes, hein, il y a des doutes. Je vois qu'il y a des gens qui pensent que c'est une application. Mais en général, quand on fait des abréviations, eh bien, c'est pour des petites annonces. Et APP, eh bien, souvent, vous pouvez le voir comme abréviation de appartement. Appartement, souvenez-vous qu'en français, il y a deux P. APPARTEMENT. Ensuite, numéro 3, BD. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est BD ? Normalement, vous le savez. Peut-être, je ne sais pas finalement. Peut-être que vous le savez, peut-être que vous ne le savez pas. On en a déjà parlé. BD, on en a déjà parlé. Allez-y. Alors très bien, Yona, pour tout à l'heure, ce qui est très important, à mon avis, hein, ça c'est mon conseil et c'est mon expérience avec les langues, c'est que c'est toujours préférable de suivre son intention, et, pardon, son intention, son intuition, après vous n'aurez aucun regret. On se trompe hein, parfois, l'intuition peut être totalement à côté de la plaque, mais vous ne regretterez rien. Alors, BD, c'est une bande dessinée. Une bande dessinée, on parle aussi de littérature graphique. D'accord ? Souvenez-vous, littérature graphique ou bande dessinée. Bande dessinée, donc on l'écrit comme ça, comme c'est féminin, dessiné doit être au féminin. Allez, on continue avec le numéro 4. Numéro 4, Bible. Qu'est-ce que ça pourrait être à votre avis ? Alors effectivement, hein, si c'était Bible, ça ne serait pas vraiment une abréviation très efficace. Mais par contre, quand vous regardez le mot bibliothèque, là, clairement, c'est une abréviation qui fonctionne. Une bibliothèque, on l'écrit B-I-B-L-I-O-T-H-E, accent grave, Q-U. Une bibliothèque. On continue avec le numéro 5. Boule. Qu'est-ce que ça pourrait être ? Imaginez. Chériline, bibliomanie. Alors c'est intéressant. Beaucoup de personnes pensent que c'est boulevard. Effectivement, c'est plutôt pour boulevard. J'ai bien aimé Ice Cube, ce qui a mis boulangerie. Stardust aussi. Ah mais ça, c'est les personnes qui ont envie de profiter de la vie. C'est vrai, ce serait sympathique, mais non. Hein. Boule, en général, c'est pour boulevard. Boulevard, c'est masculin, un boulevard. B-O-U-L-E-V-A-R-D. D'accord ? Allez, merci beaucoup en tout cas. Thank you.
Allez, Victoria Jacques aussi, pensez à la boulangerie. Ah, moi aussi. Ah, il faut pas me parler de boulangerie, c'est dangereux, c'est très très dangereux. La prochaine fois que je vais dans une boulangerie, ça va être terrible. C'est pour ça que je cours, pour perdre des kilos, parce qu'en France, je vais les gagner. À vous la parole. Dites-moi, quand est-ce que vous éteignez votre téléphone? À quelle occasion, dans quelle situation, dans quel contexte vous éteignez vos téléphone, allez-y s'il vous plaît. Et bien sûr, vous n'oubliez pas de cliquer sur le like. Merci beaucoup. Alors, Imané qui commence et qui nous dit, eh bien, j'éteins mon téléphone quand je dors. Un employé qui dit, quand je ne veux pas parler à ma petite amie. Ah, d'accord. Ah, c'est des techniques de non-communication, et pourquoi pas. Victoria Jacques, quand je déteste tout le monde et tout, d'accord. Ah donc, plic, pour être tranquille, et eh bien voilà, pour couper la relation avec le monde. Hima Bindu, quand je dors aussi. Gloria, lorsque je ne souhaite pas recevoir d'appel de mes collègues. Alors Gloria, qu'est-ce qui se passe avec les collègues? Eh oui, c'est parfois la seule possibilité. Yesero, j'éteins mon téléphone quand je suis dans une réunion. Annabelle, jamais. Mais que se passe-t-il, Annabelle? Annabelle est une femme hyper connectée. Hilary qui nous dit, j'éteins mon téléphone quand je travail. J. Vincent qui nous dit, immédiatement après un appel, j'ai toutes les notifications désactivées sauf deux. Je déteste les bruits supplémentaires. Eh oui. Alors je m'excuse, J. Vincent, bruit supplémentaire, en voilà un. Ça, c'est un bruit supplémentaire, je m'excuse. Johanna, j'éteins mon téléphone quand je tiens mes classes de langue ou bien quand je suis allé au cinéma. Et pourquoi pas pendant un cours en ligne. Chérie Lynn, mais les Français ne grossissent jamais. Si, si. Ah, si, ah, oh là là, oh là 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 là. Ça, c'est un mythe et ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Les kilos arrivent, comme tout le monde. Jonah qui nous dit, quand je vais me promener, j'éteins mon téléphone. Mac qui nous dit, j'éteins mon téléphone quand je suis au cinéma. Giovanna qui dit, aujourd'hui je vais aller très tôt, donc merci pour la vidéo. Au revoir Giovanna. Luciana, quand il n'y a pas d'électricité, quand la batterie est morte. Stella, généralement mon portable est toujours silencieux parce que j'ai cette habitude de le laisser comme ça et je n'entends pas quand quelqu'un me téléphone. Ça, c'est une bonne technique aussi. Cosmina, je n'éteins jamais mon téléphone. Je ne parle pas de choses secrètes d'État. Alors, quand je dors, le téléphone ne me dérange pas. Ah, vous ne savez pas. Les gens écoutent peut-être. Moi, je ne pense pas. Alberto, quand je vais me coucher, j'éteins mon portable. Stardust, j'éteins mon téléphone chez le médecin, dans le bus et quand je suis entre amis ou en famille, et tout le reste qui est officiel. Juan, j'éteins mon téléphone portable quand je suis au travail et quand je mange avec ma famille. Cherylyn, seulement quand je fais une IRM sur des souris. Les pauvres souris. Je n'ai pas de mobile avec moi en continuité. Tenzing qui nous dit, quand je suis en classe, une réunion
et au bureau. Sophia X, j'éteins mon téléphone quand je rencontre mes amis et ma famille et pendant le dîner. Victoria Possé, j'éteins mon téléphone quand je vais chez le médecin, dans le bus et quand je pense que je peux déranger les autres, j'imagine. Yossi, si mon téléphone fonctionne mal, je l'éteins. Bonville Lover, quand les applications ne marchent plus. Gracie, je n'éteins pas mon téléphone sauf si je suis dans l'avion. Fatima, quand j'ouvre du champagne. Boum et clic. Ice Cubes, je ne me souviens pas quand était la dernière fois, mais c'est presque toujours en silencieux. Rihanna, je n'éteins jamais parce que personne ne m'appelle de toute façon. Mais alors ? Moi, c'est pareil. Moi, il est tranquille, mon téléphone. Olga, je n'éteins pas mon téléphone seulement dans l'avion, effectivement. Cassandra, j'éteins mon téléphone quand je dors. Parfois, je le mets en silencieux pour éviter de me déranger lorsque je travaille ou je lis. Vouslat, j'éteins mon téléphone quand je suis chez le médecin, dans un théâtre ou au cinéma. Ça, c'est vrai. Très bien, merci beaucoup en tout cas. Allez, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont très très contentes de retrouver, eh bien oui, notre rubrique préférée, la politesse et les bonnes manières, bien sûr, ce sont des politesses ou la politesse et les bonnes manières à la française. Et on commence avec la première chose, la voici, la voilà, une toute petite seconde, évitez de vous plaindre. Évitez de vous plaindre. Écrivez-moi la phrase, s'il vous plaît. Stardust qui dit non. Alors Stardust, vous voyez là l'épaisseur de la Bible. Eh bien, mon livre de bonne manière, il est aussi gros que ça. Allez, vous l'avez bien écrit, effectivement, donc éviter doit bien sûr être à l'impératif, E accent aigu, V-I-T-E-Z, de, D-E, vous, V-O-U-S, plaindre, bien sûr à l'infinitif, P-L-A-I-N-D-R-E. Évitez de vous plaindre, c'est la première chose. Deuxième chose, on y va. Ne tendez pas la main à quelqu'un de plus âgé que vous, quand vous allez lui serrer la main. Ne tendez pas la main à quelqu'un de plus âgé que vous quand vous allez lui serrer la main. Écrivez les mots qui manquent.
Allez, on regarde les choses qui manquaient. La première chose, c'est le verbe tendre. Hein, le verbe tendre qui est ici, bien sûr, à l'impératif. T-E-N-D-E-Z. Ensuite, le substantif, la main, féminin, M-A-I-N. Plus âgé, âgé, adjectif qui doit être ici au masculin, puisque c'est quelqu'un, et donc c'est la forme basique, A circonflexe, GE accent aigu. Vous allez, le verbe aller, deuxième personne du pluriel, A-L-L-E-Z. Et puis serré, serré, S-E-R-R-E-R. S-E-R-R-E-R. On considère que, qu'effectivement, si vous rencontrez de quelqu'un de plus âgé que vous, vous ne devez pas tendre la main, vous attendez que cette personne vous tende la main. Mais encore une fois, les choses ont changé et ça n'est pas très très grave. On continue. Allez, on y va avec la troisième chose. Tenez la porte à la personne qui arrive juste après vous. Ça, c'est fondamental. Ça, c'est très important. Et ça, ça n'est pas universel comme concept. Mais en France, c'est très important. Tenez la porte à la personne qui arrive après vous. Allez-y. Alors, regardons ensemble ça. Effectivement, la première chose, donc, c'est le verbe tenir. Hein, le verbe tenir qui est ici encore une fois, bien sûr, à l'impératif. Tenez, T-E-N-E-Z. Ensuite, porte. Eh bien, c'est un mot féminin, substantif, P-O-R-T-E. Arrive, la personne qui arrive. Le verbe, c'est arriver. C'est la troisième personne du singulier. Une personne, c'est féminin. A-R-R-I-V-E. Et puis finalement, après, hein, vous l'avez bien écrit, je regarde. Oui, A-P-R-E, accent grave, S. Très bien. Yessero qui dit « J'ai peur d'écraser la main d'une personne âgée. » Oui, Yessero, il faut serrer avec délicatesse. Avec délicatesse et douceur. Numéro 4. Numéro 4. Attention, attention. On y va. Commencez par présenter les gens plus jeunes pour finir par les plus âgés. Commencez par présenter les gens plus jeunes pour finir par les plus âgés. Allez-y. Allez, on regarde encore une fois commencer, verbe du premier groupe qui doit être ici à l'impératif, deuxième personne du pluriel, C-O-M-M-E-N-C-E-Z. Ensuite, présenter qui est à l'infinitif, bien évidemment,
P-R-E, accent aigu, S-E-N-T-E-R. Ensuite, Jean, G-E-N-S. Et finalement, A-G. Ici, on va le mettre au masculin pluriel, A circonflexe, G-E, accent aigu, S. Chériline, quand cela s'applique-t-il? Imaginez, Chériline, que, eh bien, vous organisez une fête, un événement, il y a des gens qui arrivent, qui ne se connaissent pas, vous allez faire les présentations. Et si vous présentez votre famille, par exemple, vous allez commencer par présenter les membres les plus jeunes de votre famille, pour finir par les personnes plus âgées, tout simplement parce qu'on finit par les personnes les plus âgées. C'est les personnes les plus âgées qui doivent être considérées comme ceux qu'on respecte le plus. Donc c'est comme ça. Alors Yossi, ça n'est pas universel. Encore une fois, Yossi, il y a des personnes qui considèrent que respecter, c'est commencer par les personnes et d'autres personnes qui considèrent que respecter, c'est finir par les personnes. Voilà. Allez, numéro 5, on y va. Et voilà, voilà. Alors ça, grand classique. Grand classique, ne faites pas cette erreur en France. Ne commencez pas à négocier les prix. Ne commencez pas à négocier les prix. Allez-y. Alors, je regarde, ça commence à arriver, effectivement. Hein. Donc, encore une fois, c'est le verbe commencer qui est un verbe régulier. C'est encore une fois l'impératif à la deuxième personne du pluriel. Commencer, c'est O-M-M-E-N-C-E-Z. Ensuite, négocier. À l'infinitif, bien sûr, N-E accent aigu, G-O-C-I-E-R. Et finalement, prix. Prix, vous savez que au singulier ou au pluriel, on l'écrit de la même façon. Le prix, c'est masculin, P-R-I-X. Les prix, la même chose, P-R-I-X. Ne commencez pas à négocier les prix. Ça, c'est un conseil que je vous donne. En France, en général, vous n'allez pas négocier les prix. Allez, on est gentil. On va essayer quand même si ça semble un petit peu difficile à arriver, à atteindre les 100 likes, s'il vous plaît. Eh oui. Alors, maintenant, on y est. Comme ça, ça va être réglé. On ne va pas rester très très longtemps dessus. On est d'accord. Donc, regardez comme hier. Hein. Ça et ça. Le stylo que ma maman m'a offert. Et ma maman m'a toujours offert des stylos pendant ma vie. C'était ses cadeaux. Et j'ai toujours trouvé ça formidable comme cadeau. Ça, c'est le dernier qu'elle m'a offert, qui est très joli. Et qui écrit magnifiquement bien. Je vais noter ici un nombre. Allez, attendez une petite seconde. Hop là. Ne commencez pas, s'il vous plaît. Je vais donc noter un nombre qui sera de 1 à 100. D'accord ? C'est simple.
vous allez me proposer une seule, vous allez me faire une seule proposition. Je n'en veux pas plusieurs, sinon les autres vont regarder et vont dire non, 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 ça ne marche pas. Donc ça, c'est important. Si vous avez déjà gagné l'accès à la plateforme frenchforme.net, ça n'est pas la peine de participer parce que je n'ai rien d'autre à vous offrir. D'accord ? Donc ça n'est pas pour tout le monde, c'est uniquement pour les personnes qui n'ont pas gagné d'accès. D'accord ? Alors attendez une petite seconde, pas trop de stress. Ça y est, j'ai noté, on y va tranquillement, hein, pour que tout le monde soit au même niveau. On y va tranquillement. Donc j'ai noté mon nombre. Et maintenant, je vous invite à me faire vos propositions. Allez-y maintenant, s'il vous plaît. Alors, pour le moment, je ne vois pas mon nombre. Donc, non, juste un seul Mac, vous en avez fait deux. Non, juste un par personne, s'il vous plaît. Comme je ne vois pas, je vous propose de faire un deuxième tour. Si vous ne trouvez pas, malheureusement, vous ne pourrez pas le gagner. Deuxième proposition, s'il vous plaît, allez-y. Alors, Gloria qui dit, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Avant, on y arrivait, c'était très rapide, mais là, ça semble être un petit peu plus compliqué. Alors, malheureusement, j'ai l'impression que vous ne pourrez pas gagner aujourd'hui, l'accès. Et c'est un petit peu terrible. Sophia qui disait...
C'est plus difficile que la loterie. Malheureusement, oui. Je suis désolé. Regardez, j'avais noté et c'était le 11. C'était le 11 et malheureusement, personne n'a trouvé. C'est pas grave. Demain, ce sera possible. Allez, on n'oublie pas de cliquer sur le like, c'est très gentil. Dictée et définition. Je vous propose de découvrir ensemble quelques nouveaux mots, si vous le voulez bien. Alors, je vais juste vous dicter le mot. J'espère que vous allez écrire ce mot. Et puis après, je vous donnerai la définition. Attention, attention, le mot, c'est spoiler. C'est un verbe, donc. Et le verbe, c'est spoiler. Écrivez-moi le verbe, s'il vous plaît. Johanna, le 11, c'est le nombre du diable. Mais non, c'est l'âge de Nicolas. Alors effectivement, hein, voici ce verbe, hein, le verbe spoiler, qui est bien sûr un néologisme qui arrive du verbe anglais. Alors spoiler, eh bien c'est révéler, attendez je vais regarder ici, prématurément un élément clé de l'intrigue d'une œuvre de fiction. Donc spoiler quelque chose, eh bien c'est révéler un élément très important d'une histoire, d'une fiction. Ça c'est le verbe spoiler. Spoiler, verbe régulier, comme j'ai expliqué, les néologismes sont en général pour les verbes du premier groupe. Je spoil, tu spoil, il spoil, nous spoilons, vous spoilez, il spoil, elle spoil. C'est bizarre à prononcer, mais c'est comme ça. Alors le deuxième, s'il y a des personnes qui étaient là, je crois qu'on l'avait déjà vu celui-là, effectivement, c'est, attention, écrivez-le, l'adolescence. L'adolescence, écrivez-le s'il vous plaît. Alors, je regarde. Ah non, Johanna, pas de stress. Oh là là, il faut pas être gêné. Alors là, ne vous inquiétez pas. Ice Cube, ce qui dit, as-tu conjugué un verbe anglais? Mais oui, parce que c'est un néologisme. Et donc, on a fait rentrer le verbe dans la langue française. C'est un verbe régulier, spoiler. Alors maintenant, c'est, oui, regardez. L'adolescence. L'adolescence, eh bien, c'est quand on combine adolescence et adulte. Adolescence, adulte, on les combine et ça donne l'adolescence. L'adolescence, c'est un phénomène générationnel touchant certains jeunes gens adultes
qui continue d'avoir le comportement d'un adolescent. Quand un adulte se comporte comme un adolescent, eh bien, on considère que c'est un adolescent. Un adolescent, et donc l'adolescence, c'est ce phénomène générationnel. Voilà, l'adolescence, c'est un nouveau mot, encore une fois, qui est rentré dans le dictionnaire. Regardons, s'il vous plaît, le troisième. Le troisième, le voici, le voilà. Attention, c'est un verbe. Néologisme, donc verbe régulier. Ubérisé. Ubérisé. Écrivez le verbe. Alors le voici, le voilà, ubérisé, donc néologisme qui clairement a été créé à la base de cette entreprise américaine. Donc on l'a créé, on a créé un verbe avec ça, ubérisé, on met un accent sur le premier ubérisé, accent aigu. Alors regardez, la signification d'ubérisé, puisque c'est un petit peu plus large, rendre obsolète, un modèle économique existant via l'utilisation de plateformes numériques. Donc quand il y a un phénomène qui existe et avant, et on pense au taxi, bien sûr, et qu'une entreprise arrive qu'avec une plateforme numérique donne la possibilité de rendre obsolète ce système, le verbe qu'on va utiliser, c'est le verbe ubérisé. Ubérisé, il est rentré dans le dictionnaire, vous pouvez l'entendre très facilement maintenant, et donc c'est un verbe du premier groupe. J'ubérise, tu ubérises, il ubérise, elle ubérise, nous ubérisons, vous ubérisez, ils ubérisent, elles ubérisent. Allez, on continue avec le numéro. On y va, numéro 4, masculin et féminin. Je voudrais les deux, s'il vous plaît. Un rageux, une rageuse. Un rageux, une rageuse. Écrivez, s'il vous plaît. Alors Ice Cubes, donc googler existe aussi, oui, moi oui, je google, tu googles, il google, nous googlons, vous googlez, il google, elle google, il faut bien mettre les bonnes terminaisons Ice Cubes. Alors faites attention, parce que là aussi, ce sont des néologismes qui sont arrivés. Je me souviens que la première personne qui m'en a parlé, c'était Nicolas, qui regardait des vidéos sur YouTube de garçons qui jouent au jeu. Et il a parlé de rageux et rageuse, et je n'avais jamais entendu ça, parce que ça me semblait bizarre, et j'ai dit à Nicolas, mais ça n'existe pas. Et j'ai cherché, et ce sont des néologismes maintenant, ça existe. Donc rageux
et rageuse. Rageux masculin, R-A-G-E-U-X. Et rageuse, R-A-G-E-U-S-E. Et c'est une personne qui est agressive et animée par la haine ou la jalousie. Donc, les personnes qui parfois arrivent dans les chats que nous voyons arriver ou que vous ne voyez pas, que moi je vois, qui écrivent des insultes, etc. Eh bien, on peut dire que ces personnes-là sont des rageux et des rageuses. Voilà, c'est comme ça, hein. Allez, le dernier. Écrivez-le. La grossophobie. La grossophobie. La grossophobie. Alors, Yossi, ces mots-là rentrent dans le Robert ou dans le Larousse. Donc, en général, ça prend un petit peu de temps pour des dictionnaires comme Word Reference pour les intégrer. Alors, regardons grossophobie, hein, c'est la même chose, hein, c'était des mots qui, bon, bien sûr, on voit bien sûr la construction. Hein, donc, la grossophobie, vous l'écrivez comme ça, donc c'est féminin, hein, comme la phobie. Grossophobie, G-R-O-S-S-O-P-H-O-B-I-E. Grossophobie. L'attitude de stigmatisation, de discrimination envers les personnes obèses ou en surpoids. L'attitude de stigmatisation, de discrimination envers les personnes obèses ou en surpoids, eh bien, c'est ce qu'on appelle de la grossophobie. Voilà pour ces néologismes, pour ces nouveaux mots qui rentrent petit à petit, progressivement. Chaque année, il y a environ une centaine de nouveaux mots qui arrivent dans la langue française. Et en général, les dictionnaires s'adaptent quand l'utilisation de ces mots est finalement très très répandue. Voilà. Alors, si vous avez des idées, si vous voulez des exercices que je n'ai pas encore proposés, s'il y a des choses que vous voudriez faire ou des thèmes que vous voudriez aborder, eh bien, vous pouvez m'envoyer un message à l'adresse idées@fluentoplus.com. Attendez peut-être quelques heures, hein, parce que je l'ai créée, mais donc elle va prendre un petit peu de temps, mais réfléchissez, si vous avez une idée, si vous voulez quelque chose de spécial, vous pouvez envoyer vos idées et vos suggestions à cette adresse. Je ferai le maximum, je ne suis pas une machine, je suis un homme. Ha ha ha.
Il y en a qui dit alors ça ne vaut pas la peine d'acheter un dictionnaire. Non, tous ces néologismes, non. Les dictionnaires sont mis à jour chaque année. Alors, pour la partie du langage commun, on va insérer des nouveaux mots. On va aussi insérer des nouvelles personnes, mais non, ce sont des néologismes, c'est pas très intéressant. Vous les entendez, c'est du langage en général, comme ubérisé, comme rageux ou des choses. Ce sont des nouvelles expressions, ça n'est pas nécessaire d'acheter un dictionnaire pour ces choses-là, bien sûr. Allez, histoire de France, la voici, la voilà. On commence avec la première chose, 1794. Création des archives nationales. Création des archives nationales. S'il vous plaît, écrivez. Alors, je regarde. Oui, c'est très, très bien écrit. Félicitations. Donc, création, on l'écrit C-R-E, accent aigu, A-T-I-O-N. Pas de problème, c'est féminin. Une création, la création. Et puis, archive nationale. Alors, archive, en général, on va mettre la majuscule parce que c'est l'institution. Souvenez-vous, nationale, bah, c'est un adjectif. Donc, normalement, comme adjectif, on ne met pas de majuscule. Archive, c'est féminin. Et archive, c'est pluriel, donc national doit être au féminin pluriel. N-A-T-I-O-N-A-L-E-S. D'accord ? Donc parce que archive, c'est féminin pluriel. Et ça, c'était en 1794. Deuxième chose, 1800. Création de la Banque de France. Création de la Banque de France. Écrivez, s'il vous plaît. Oui, aussi, on avait déjà parlé de Simone Veil, c'était la personne du jour il y a quelque temps déjà. Simone Veil, c'était une des premières, je pense. Alors ici c'est la même chose, hein, création, donc c'est toujours féminin, ça n'a pas changé. Ensuite, Banque de France, ben, vous l'avez bien écrit, hein, Banque B-A-N-Q-U-E, en général avec la majuscule parce que c'est l'institution, la Banque majuscule de France, là aussi majuscule pour les pays, F-R-A-N-C-E. Donc ça, c'était en 1800, donc création de la Banque de France. Numéro 3, 1802. 1802, création de la Légion d'honneur. Création de la Légion d'honneur. Allez-y.
Yessero, aujourd'hui, il n'y a pas de robot. Le robot n'est pas là aujourd'hui. Alors Victoria, oui, Victoria se rappelle, Victoria Possé. Je pense que Simone Veil, c'était une des premières personnes que nous avons découvert justement. Alors, regardons ensemble. Création, c'est toujours féminin et on l'écrit toujours de la même façon. Légion d'honneur, Légion d'honneur, Légion avec une majuscule, L-E accent aigu G-I-O-N, et puis d'honneur, eh bien l'honneur, c'est masculin, un honneur, l'honneur, H-O-N-N-E-U-R. Allez, quatrième chose, et c'est 1819. Loi sert sur la liberté de la presse, supprimant la censure et l'autorisation préalable. Loi sert sur la liberté de la presse, supprimant la censure et l'autorisation préalable. Allez-y, s'il vous plaît. Chérinine qui dit « Le robot a été offensé par mes réponses, alors il s'est enfui. » Non, mais j'ai senti que l'enthousiasme pour le Québécois n'était pas très très haut. Si vous voulez, moi je veux bien que nous continuions. J'en ai beaucoup, j'ai beaucoup de choses sur le Québécois, mais j'avais le sentiment que vous n'étiez pas très enthousiaste, donc je ne veux pas forcer les gens. Voilà, donc la liberté de la presse, c'est en 1819 en France, puisque donc ici vous voyez que nous étions à la recherche de liberté. Liberté qui est un mot féminin, la liberté, une liberté, L-I-B-E-R-T-E accent aigu. La presse, substantif féminin, P-R-E-S-S-E. Censure, c'est un mot féminin aussi, une censure, la censure. C-E-N-S-U-R-E. Et finalement, préalable. Préalable, adjectif. C'est le même adjectif si c'est au masculin ou au féminin. Ici, c'est féminin, l'autorisation. Notre adjectif sera au féminin, mais c'est la même forme. Préalable. P-R-E accent aigu A-L-A-B-L-E. Voilà. On continue avec 1837 ou 1837. Inauguration de la première voie de chemin de fer entre Paris et Orléans. Et ça, c'est intéressant. 1837, inauguration de la première voie de chemin de fer entre Paris et Orléans. Allez-y. Alors, on regarde ensemble. Oui, c'est bien, effectivement. Hein. Donc là, regardez. Alors, la première chose, inauguration. Faites attention, parce que ça, c'est une question assez classique. Souvent, les gens demandent pourquoi on prononce « in » et pas « un ». Ben, finalement, c'est relativement simple. Hein. Si vous avez « in » suivi d'une consonne, en général, vous allez prononcer « un ».
Alors, l'exception, bien sûr, c'est le H. H est une consonne, mais bien sûr qu'il est suivi d'une voyelle, donc vous allez prononcer comme in. Si c'est avec une voyelle, comme ici, vous allez prononcer in. Donc, in avec une consonne, ce sera un. D'accord? Incapable, etc. Si c'est avec une voyelle ou H plus une voyelle, ce sera in. Ici, c'est inauguration. Avec un H, on pourrait avoir inhabitable. Habitable, le contraire, inhabitable. Donc ce sera in. Et vous l'écrivez inauguration, et c'est féminin puisque c'est en ion, on est d'accord. Voix, vous voyez que c'est féminin. Une voix, la voix, voie. Faites attention, hein. Il y a aussi le mot voix. X, phonétiquement la même forme, mais c'est la voix que j'utilise pour vous parler ou pour chanter. Fer, masculin, le fer, fer, et finalement la ville d'Orléans, que vous écrivez bien sûr avec une majuscule, c'est une ville. O majuscule, R, L, E, accent aigu, A, N, S. D'accord? Allez, et ben voilà, merci beaucoup. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Nous avons commencé très très fort, hein. Nous sommes allés très rapidement et d'un seul coup, nous avons baissé. Cliquez sur le like si vous n'avez pas encore cliqué, s'il vous plaît. Nous essayons désespérément d'arriver aux 100 likes pour ce cours. Ce serait un minimum. Merci. Allez, à vous la parole, à vous la parole. Quelle est la dernière chose que vous avez cassée? Quelle est la dernière chose? Attendez, parce qu'apparemment, l'animation ne fonctionne pas. Voilà, et là, ça va marcher. Quelle est la dernière chose que vous avez cassée? Ça arrive, moi, c'est un verre. J'ai cassé un verre, eh bien oui, j'étais maladroit. Quelle est la dernière chose que vous avez cassée? Allez, Fatima nous quitte, au revoir et peut-être à demain ou après-demain, nous avons une émission, un cours spécial dimanche. Yessero, la ville d'Orléans historiquement est très très importante et logiquement c'était le début pour aller vers les pays de la Loire et toute cette région qui était assez assez importante. Traditionnellement, Yessero, cette région des pays de la Loire était, c'est pour ça qu'il y a énormément de châteaux dans la région des pays de la Loire, c'est parce que c'était l'endroit où les gens avaient leur résidence secondaire. Donc les rois et les ducs et les personnalités de la cour allaient dans la région des pays de la Loire. Et c'est pour ça que cette région est historiquement très importante. Alors attention, je regarde un employé qui nous dit j'ai cassé mon... On ne sait pas quoi. Amira qui nous dit j'ai cassé un plat. Ah oui, ça arrive. Annabelle qui dit j'ai cassé mon téléphone. Oh, qu'est-ce que vous avez fait tomber ou que s'est-il passé, Annabelle? Attention, attention. Peut-être que vous êtes trop nerveuse. Yessero, la première chose ou la dernière chose que j'ai cassée, c'était un verre. Eh oui, moi aussi, c'est énervant. C'est énervant parce qu'il y a plein de petits morceaux après. Luciana, la dernière chose que j'ai cassée, c'était un portable. Ah oui, Stardust, la dernière chose que j'ai cassée, c'était mon assiette préférée.
Oh non, c'était une assiette spéciale que vous ne pouvez plus acheter. Ça, c'est dommage. J. Vincent, la dernière chose que j'ai cassée, c'était un sucrier. J'ai adoré ce sucrier. Souvent, c'est terrible, on casse des choses qu'on aime. Ça, c'est mystérieux. Là, il faudra réfléchir un jour là-dessus. Pourquoi on casse les choses qu'on aime ? Juan, peut-être un plat. Cosmina, je plaisante maintenant, c'est une blague, je me suis cassé la gueule. Pip ! Je ne vais pas le lire. Je ne vais pas le lire. Leslie, j'ai cassé un verre, heureusement, vide. Ben oui. Hilary, c'est des œufs. Hier, quand j'ai fait le petit déjeuner. Est-ce que les œufs frais ? Ah, ça, c'est horrible. Quand les œufs frais tombent, ça c'est la fin. La fin, c'est terrible. Ensuite, alors attendez, je regarde. Je ne vois pas. Ah oui, Dustin, la dernière chose que j'ai cassée, c'est l'écran de mon téléphone cellulaire. Eh oui. Gloria qui nous dit, la dernière chose que j'ai cassée, c'est un pot d'olive que je ne pouvais pas ouvrir. Comment vous avez fait ? Vous avez... Et le... Eh oui, j'adore les olives. C'est dangereux. C'est très dangereux, apparemment. Alberto qui nous dit « J'ai cassé une tasse de café. » Eh oui, ça, c'est aussi terrible. Johanna qui nous dit « Je ne m'en souviens plus, mais en ce qui concerne les choses faciles à casser, je sais bien que c'est la vaisselle. » Eh ben oui, on casse la vaisselle. « Quand je risque toujours de casser, notamment les verres et les assiettes en porcelaine. » Alors, il y avait une chanson d'un chanteur qui s'appelle Pierre Perret. Et c'était une chanson pour les enfants que moi j'ai connue quand j'étais petit. Et ça s'appelait « Vaisselle cassée ». Elle était sympathique cette chanson. Une chanson très légère. Unemployed qui dit « J'ai cassé mon clavier parce que j'étais nerveux après avoir renversé mon café sur le clavier. » Oh ! Et ça c'est terrible. J'ai eu ça une fois. J'ai du café sur le clavier, c'est terrible. Hima Bindu, je pense que j'ai cassé la tasse de café. C'était il y a longtemps. Yossi qui nous dit, la dernière chose que j'ai cassée, c'était le plat dans la cuisine en faisant la vaisselle. Yossi qui veut jongler avec les plats. Non, non, non. Tenzin qui dit, je ne peux pas y penser parce que je n'ai rien cassé. Oh ! Alors là, Tenzing, une personne qui ne casse rien, je ne sais pas si ça existe, mais peut-être. Courage qui nous dit, j'ai cassé mon cœur, il faut aller chez le cardiologue peut-être. Bombville Lover, je ne peux pas me rappeler, mais je laisse tomber mon portable tous les jours. Zip, ça tombe. Lynn, la dernière chose que j'ai cassée, c'était un verre quand j'ai fait la vaisselle. Sophia X, mon iPhone est tombé dans la rivière. Et le diable, hein, dans la rivière, le diable. Et donc, c'est cassé. C'est le nom de la rivière, le diable. C'est la rivière, le diable. Ça fait peur. Hein. Vous habitez dans un drôle d'endroit. Romande, je ne me souviens pas exactement, mais c'est sûr que c'était l'année dernière que j'ai cassé mon verre préféré de ma grand-mère. Oh, je voulais boire, mais c'est juste arrivé. Ça, c'est terrible, parce que un verre préféré de sa grand-mère, c'est très important, très important. Victoria Posse, la dernière chose que j'ai cassée, c'est un verre. Grand classique. Tout le monde casse des verres, sauf Tending. Cassandra, je ne me souviens plus quand j'étais enfant. Pff, ah bah bravo. Olga, j'ai cassé le verre du mixeur. Ah oui, qu'est-ce que vous avez fait, Olga ? Vous avez mis des choses chaudes ? Très bien. Allez, Ice Cubes, qu'est-ce qu'il dit ? La part de... Attendez. La part pour tenir la tasse, c'est la dernière chose que j'ai cassée. Très bien. Vous devez retourner à Paris pour en acheter. Ah, c'est compliqué. Mais c'est possible. Moi, je vais bientôt à Paris. C'est peut-être un peu désespéré, je ne sais pas si on va arriver
aux 100 likes, mais tant pis, je vous invite à le faire. Et Sophia qui nous confirme que le diable, c'est le nom de la rivière. Wow! Allez, petit exercice habituel. Trouvez un mot, s'il vous plaît. Trouvez un mot qui commence, hein, qui commence avec M. Ça doit être facile. L'idée, bien sûr, de cet exercice, c'est de ne jamais répéter les mots que vous avez déjà donnés. Et surtout, la deuxième chose, c'est de ne pas chercher dans un dictionnaire. Essayez d'écrire le mot de mémoire. C'est ça l'idée de cet exercice. Alors, ça commence, J. Vincent qui nous donne manger. Et ça, c'est important. Ici, on aime manger. Eh oui, et des bonnes choses de préférence. Gloria Mélanger, Sophia X, minuscule. Faites attention, minuscule. Hein. Hilary, manqué. Leslie, mercredi. Juan, des minéraux. Annabelle, merci. Et ça, c'est très important. Unemployed, un mot. Luciana, la miséricorde. Alberto, mademoiselle. M. Célestial, MS Célestial, une mère, une maman, et ça c'est très important, votre maman, il faut lui dire que vous l'aimez. Je t'aime, maman. Lynn, monter, ouais. Yesero, se marier, très bien. Ah, il faut faire attention. Pas avec tout le monde, non. Mercurial Man, un meurtre. Waouh, ça c'est brutal, hein, Mercurial. Victoria Jacques, moelleux. Eh oui. Stardust, mourir de rire. C'est vrai. Ça c'est une belle, c'est une belle façon de mourir si on réfléchit. Mourir de rire, je ne sais pas si c'est vraiment possible. Tenzing, meilleur. Est-ce que c'est meilleur, vous voulez dire? Yossi, mièvre, effectivement. Olga, mendier. Himabindou, montre, féminin, une montre. Victoria Possé, mémoriser. Thierry qui nous dit un mensonge. Eh oui, et ça c'est pas beau. C'est pas beau du tout de mentir. Non, non, non. Cosmina, une mandale. Alors, une mandale qui effectivement, hein, une beigne, ça c'est une autre possibilité. Mandale, ouais. C'est peut-être pas très très actuel maintenant, hein. On en a d'autres. Ice Cubes, merci, très bien. Imané, miroir, attention, c'est pas avec un E à la fin. Toncal, Montmartre, pourquoi pas. Johanna qui nous dit, ah non, Johanna qui discute. Vouslat, maintenant. Et Cherylyn, bien sûr, des mandibules. Allez, il en manque 10. 10, 10, 10, et nous arrivons à 100. Et ça, ce serait pas mal. Quand même, ça serait pas mal pour un vendredi. Je sais que le vendredi, c'est toujours difficile. Mais si vous n'avez pas cliqué, s'il vous plaît, cliquez. N'oubliez pas que, pour vous remercier, j'ai mon petit accessoire que j'ai ici pour, bien sûr, les 100, mais surtout, demain, le vaccin. Allez, on va faire une petite dictée de mots, si vous voulez bien, et ça, c'est toujours utile. Dictée de mots, on commence avec le premier. Attention, logiquement, ça va être rapide. Consommer. Allez-y.
Voilà, donc là on est d'accord, hein, c'est relativement simple, hein, c'est pour alterner bien sûr les choses un peu plus difficiles et les choses un peu plus faciles. Comme ça, on le fera rapidement. Consommer, c'est O. N-S-O-M-M-E-R. Hein. Donc là, c'était à l'infinitif. Numéro 2, on y va. Une décennie. Allez-y. Alors oui, là je remarque que c'est un petit peu plus complexe. Une décennie, vous l'écrivez D-E accent aigu, C-E-N-N-I-E. Et c'est féminin, c'est une décennie. Je vous rappelle que pour tous ces exercices, je ne donne pas de définition. Je vous laisse chercher vous-même les définitions. C'est beaucoup plus efficace. Comme ça, d'accord ? Donc, voilà le mot, une décennie, vous le connaissez, tant mieux, vous ne le connaissez pas, cherchez-le après notre cours. Numéro 3, attention, une écharpe. D'accord, effectivement, donc là, pas de problème. Hein. Écharpe, c'est féminin. Une écharpe, E accent aigu, c'est H-A-R-P-E. Allez, on continue avec le quatrième. Le quatrième, attention, une immigrée. Allez-y. Alors, je vois que ça commence à arriver. Oui, effectivement. Donc là, il y a deux M. Hein, ça, c'est pour votre information. Ensuite, l'idée, c'était d'avoir le féminin. Donc, une immigrée. I-M-M-I-G-R-E, accent aigu, E. Si c'est le masculin, un immigré. Donc, un, U-N, I-M-M-I-G-R-E, accent aigu, et donc pas le E, phonétiquement c'est la même chose, hein. Immigré masculin, immigré féminin, ce sera prononcé de la même façon. Voilà, et puis le numéro 5, comme d'habitude, on va finir avec ça, attention, une irruption, allez-y.
Alors, et oui, attention, attention, je voulais vous... Oui, les deux existent. Les deux existent. Il y a éruption, mais j'ai prononcé irruption. Donc, éruption, ça existe, pas de problème. Mais ici, c'était véritablement une irruption. Faites très attention. Donc, on l'écrit I-R-R-U-P-T-I-O-N. Donc, faites bien attention entre les deux, d'accord ? Ici, une irruption. Et ce que certaines personnes ont écrit, et on parle du volcan, par exemple, une éruption. Une éruption volcanique, d'accord ? Une éruption, une irruption. Et ici, c'était irruption. Voilà, merci. N'oubliez pas que si nous arrivons à 100, je mettrai cette belle chose pendant quelques secondes, pas plus. Mais si vous n'avez pas encore cliqué, il faut cliquer maintenant. Merci. Allez, à vous la parole. Quelle est la meilleure façon d'utiliser cet œuf ? Eh bien oui ! Alors, à l'exception de... Je ne sais plus, est-ce que c'était Hillary qui avait fait tomber l'œuf ? Non, ça n'est pas une bonne utilisation. Imaginez quelle est la meilleure façon d'utiliser cet œuf. Allez-y ! Juan nous quitte. Au revoir, Juan, et à bientôt. Alors, ça y est, hein. Ice Cubes qui commence direct et qui nous dit cuisiner. Ben oui, mais cuisiner comment ? Il faudrait être un petit peu plus précise, hein, quand même. Victoria Jacques, voilà. Victoria Jacques, elle nous donne directement une orientation. Faire une omelette. C'est délicieux. Une omelette, c'est vraiment tellement simple, mais tellement délicieux. Ah oui, mais avec quoi ? Avec quoi, Victoria Jacques ? Qu'est-ce que vous mettez dans l'omelette ? Bourneville Lover qui nous dit tout simplement dans un gâteau. Oh, Leslie qui nous dit pour faire une meringue. Eh oui, eh oui. Alors oui, faut, hein, on garde que le blanc et zoom. On commence à battre. Vous, est-ce que vous avez un robot pour faire la meringue ? Parce que c'est du travail, hein, pour tourner. Toncal, pour faire un gâteau. J. Vincent, tu devrais le faire cuire dans un gâteau. Eh ben oui, je suis d'accord aussi. Alberto, faire une délicieuse omelette. Mais avec quoi ? Avec quoi ? Rabiha qui nous dit faire des gâteaux. Très bonne idée, Rabiha. Yossi, ajouter un autre œuf et faire une omelette. Même question, Yossi. Avec quoi dans l'omelette ? Stardust, faire une crêpe aux pommes juteuse. Stardust, en ce moment, elle est gaufre et pomme. Gaufre et crêpe, j'ai remarqué. Avec du caramel pour les gaufres et des pommes juteuses pour les crêpes. Rice qui nous dit pour faire de la peinture. Alors ça, c'est intéressant. De la peinture ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Soyons créatifs. Yessero qui dit on devrait faire une omelette. Même question, Yessero, avec quoi ? Tenzing pour faire une omelette tous les
matin. Ça, c'est pas mal. Roman qui nous dit faire une omelette épicée et savoureuse. Voilà, Roman. Roman nous donne plus d'informations, donc avec des épices, pour que ça soit un petit peu plus relevé. Victoria Possé, la meilleure façon d'utiliser cet œuf est de faire de la mayonnaise. Ah ouais, une bonne mayonnaise, et c'est très très simple. Personnellement, uniquement avec de la moutarde de Dijon, hein, la mayo. Johanna, je préfère l'utiliser cuit dans une poêle, ça c'est pas mal aussi. Assaisonné avec un peu de fromage fumé et une salade de légumes. Ça, c'est bien. Un œuf sur le plat, c'est simple et tellement bon. Annabelle, faire un beignet de maïs. Ouh, alors ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant, effectivement. Hilary qui nous dit faire des œufs brouillés. Hein, on appelle ça des œufs brouillés quand vous les faites comme ça. Olga qui nous dit un œuf cuit, donc juste cuit, comme ça, un œuf dur finalement. Gloria, si on est bio, on peut simplement le casser et le manger. Très bien, oui, ça c'est vrai. Quand j'étais petit aussi, on fait le petit trou comme ça, tic de chaque côté, et on l'aspire. Maintenant j'ai du mal. Alors, chérie, donnez-le à Sourmestari, car ils ont souvent des tâches amusantes impliquant des œufs. Sherilyn qui maintenant découvre la beauté du finnois. Sourmestari. Le R en finnois, il est roulé. Rrr, et on prononce les deux voyelles. Donc c'est pas sour, mais c'est sour. Ça doit être comme ça. Mais je n'enseigne pas le finnois, j'enseigne juste le français. Merci beaucoup en tout cas. Si vous n'avez pas cliqué, dites-moi merci en le faisant tout de suite. Merci. Allez, comment traduire exercice que nous avions l'habitude de faire avant et que nous allons refaire. Première chose, I should have told her. Et j'avais envie qu'on travaille bien évidemment sur le conditionnel passé. Donc toutes les phrases seront au conditionnel passé en français. Allez-y, merci beaucoup. Alors, je regarde. Oui, effectivement, hein, on est d'accord que l'idée de cet exercice, c'est de travailler un petit peu sur le conditionnel passé. Donc ici, le verbe, c'est devoir. Vous allez le mettre au conditionnel passé, donc avec l'auxiliaire avoir au conditionnel présent. J'aurais. Ensuite, vous mettez votre participe passé du. Et finalement, lui. Dire. J'aurais dû lui dire. Daria qui nous rejoint. Daria. Il faut cliquer sur le like. Si vous cliquez sur le like, je vais mettre ces belles choses sur ma tête pour quelques secondes. Pas plus. Pas plus. Non. Allez, on continue avec la deuxième chose. We would have been happy. Comment est-ce que vous pourriez le mettre? Attention,
automatiquement, s'il vous plaît, du conditionnel passé. Puisque c'est derrière, c'est dans le passé, on ne peut plus revenir. Allez. Alors, faites bien attention, oui, faites bien attention, puisque ici, l'idée, c'est d'utiliser une structure qui est le conditionnel passé, c'est-à-dire un temps composé. Encore une fois, on doit utiliser ici le verbe être, mais dans un temps composé. Être est utilisé avec l'auxiliaire avoir. Donc, avoir doit être au conditionnel présent. Nous aurions, conditionnel présent. Et ensuite, vous mettez, juste après, le participe passé du verbe être, été. Nous aurions été heureux. Et on va faire des petites liaisons. Nous aurions été heureux de liaison, juste pour le côté généreux. Nous aurions été heureux. Allez, on continue avec le numéro 3. Regardez le numéro 3. I could have done it. Même chose, s'il vous plaît. Conditionnel passé. Alors d'accord, effectivement, hein, donc là encore une fois, le verbe c'est pouvoir, pouvoir que l'on doit mettre au conditionnel passé, donc pouvoir, on l'utilise avec avoir, au conditionnel présent, j'aurais, A-U-R-A-I-S, j'aurais. Et puis ensuite, on va mettre notre participe passé, le participe passé du verbe pouvoir, c'est pu, j'aurais pu. Et puis finalement, notre verbe, c'est « faire » à l'infinitif, et on met le pronom complément d'objet direct juste devant « faire ». « J'aurais pu le faire ». « J'aurais pu le faire », voilà. Numéro 4, on y va. « She would never have accepted ». Allez-y, s'il vous plaît. Là, regardez, regardez. Alors ça n'est pas sérieux, Vincent. Regardez. Hop là.
Alors, c'est effectivement le participe passé. Ouh, mon accent. Le voilà. Alors, la même chose, la même chose. Le verbe, c'est bien sûr le verbe accepter. Le verbe accepter, nous allons le conjuguer au conditionnel passé. Donc, on utilise d'abord avoir qui doit être au conditionnel présent. Aurait, A-U-R-A-I-T. Elle aurait. Ensuite, on met le participe passé, pas comme j'avais mis ici l'infinitif, accepté, A-C-C-E-P-T-E, accent aigu. D'accord ? Et puis, on va mettre la négation. Elle n'aurait, avant l'auxiliaire, jamais, j'avais envie de mettre quelque chose de plus extrême, juste après l'auxiliaire, elle n'aurait jamais. Et puis on finit avec le participe passé, mesdames, messieurs, pas l'infinitif, non, non, non. Elle n'aurait jamais accepté. Vous pouvez faire la liaison entre jamais et accepté. Elle n'aurait jamais accepté. Jamais a. Jamais accepté. Elle n'aurait jamais accepté. Allez, on finit avec le cinquième. Attention, et le voici. Le cinquième. He would have been unhappy. Allez-y, s'il vous plaît. Alors, oui, la première chose, hein, encore une fois, le verbe être au conditionnel passé, on utilise l'auxiliaire avoir. Il aurait été. D'accord ? La même chose. Hein. Avoir ici au conditionnel présent, il aurait, A-U-R-A-I-T. Ensuite, été. Eh bien, c'est tout simplement le participe passé, E accent aigu, T-E accent aigu. Ensuite, nous cherchons le contraire de heureux. Le contraire d'heureux, eh bien, c'est malheureux. Malheureux, vous l'écrivez ici au masculin, l'adjectif, parce que il, ben, c'est masculin. Malheureux, M-A-L-H-E-U-R-E-U-X. Merci beaucoup. Eh oui. Un grand, grand merci à Rice Cassidy. Rice Cassidy, très généreusement, m'offre un café. Et Rice Cassidy, je vous dis merci beaucoup. Merci vraiment, c'est très, très gentil. Et bien sûr, nous l'avons remarqué. La deuxième chose, eh bien, la deuxième chose... Le voici, le voilà. J'espère juste que je ne vais pas... Ah non, il y a des personnes qui ne cliquent pas encore. J'attends d'être sûr. Je ne suis pas sûr qu'il y ait 100 clics. Non, 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 je vois 99 sur mon écran. Et ça veut dire qu'il n'y a pas encore définitivement 100 clics. Ou peut-être qu'il... Oh, allez. Allez, soyons fous, soyons fous. 100 clics, merci beaucoup, c'est très très gentil. Eh oui, eh oui.
Voilà, 100 clics, c'est formidable. Je bouge la tête, vous voyez que ça bouge? C'est formidable. Voilà, voilà. Alors c'est pour les 100, mais c'est surtout pour le vaccin pour demain, ça va être formidable. À vous la parole, à vous la parole. Je vous ai posé la question avec l'œuf. Bien évidemment, j'allais vous poser la question avec le chocolat. Regardez ce chocolat et ma question c'est quelle est la meilleure façon d'utiliser ce chocolat? Allez-y, s'il vous plaît, une phrase. Alors Johanna, est-ce qu'on peut vous photographier comme ça? Ah si vous voulez, hein. Alors là, ça ne me dérange absolument pas. Allez, vous êtes prête Johanna? Préparez votre appareil photo, hop, je fais ça et je fais ça. Et voilà, faut être rapide. Alors, Toncal qui nous dit la meilleure façon d'utiliser, c'est dans un fondant. Ah oui, alors ça c'est vrai. Oh, un fondant au chocolat, c'est délicieux. Oui, Hima Bindu qui dit la meilleure façon de l'utiliser, c'est de manger directement. Poum, comme ça, directement du producteur au consommateur, c'est vrai. Victoria Jacques, manger avec un verre de vin. Mais oui, mais Victoria Jacques, quel vin? Je veux dire pour la couleur, hein. Est-ce que vous préféreriez avoir plutôt du vin rouge, du vin blanc, un petit rosé, un petit pétillant, du champagne? Je ne sais pas. Soyons précis, Victoria Jacques. Un peu de précision. Olga qui nous dit, félicitations, merci Olga. Yesero, à mon avis, la meilleure façon d'utiliser de ce chocolat et de le donner aux petits-enfants. il est généreux, Yesero, c'est formidable. Bombville qui dit dans un gâteau au chocolat. Un bon gâteau au chocolat, c'est vraiment délicieux. Vouslat, la meilleure façon d'utiliser ce chocolat est de le manger directement. Yossi qui dit on peut le manger comme ça ou l'ajouter à un gâteau. Roman, la meilleure façon d'utiliser ce chocolat est de le manger avec un thé. Ah ça c'est intéressant Roman. Cosmina, la meilleure façon d'utiliser ce chocolat est de le partager avec nous. Oh, la générosité légendaire de Cosmina. Alors Raipratima, la meilleure façon c'est de manger le chocolat et c'est vrai probablement. Ice Cubes, de donner à quelqu'un qui ne veut pas perdre des kilos. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Ah bah oui, ah oui, surtout si il faut courir, hein, il faut courir et puis ping ping vous pouvez manger un petit peu. Luciana, la meilleure façon d'utiliser ce chocolat est directement la bouche. D'accord, c'est clair, c'est direct. Stardust, pour moi, la meilleure façon d'utiliser le chocolat est de le transformer en vrai chocolat chaud, qui est moussé avec du lait chaud et de la crème. Très bien. Personnellement, le chocolat noir comme ça aussi, quelque chose de simple, vous le mettez dans une petite coupe, un tout petit peu d'eau, pas beaucoup, vous le mettez un tout petit peu au micro-ondes, vous remuez, c'est chaud, vous mangez directement, oh, c'est délicieux. Alberto, la meilleure façon est de manger lentement et sans souci. Johanna, le chocolat noir, je l'adore et j'en mangerai pas mal. J'aime bien le chocolat français, j'ai l'habitude de le renverser sur mon gâteau préféré, le tiramisu. C'est vrai que c'est pas mal le tiramisu. Annabelle, fermez les yeux et mangez-le lentement.
C'est vrai que quand on ferme les yeux, c'est meilleur. Hillary qui dit, je le donne à mes enfants quand... Ah oui, pour finir leurs devoirs. Ça, c'est une bonne technique. Hillary, c'est très intelligent. La carotte. Hein? La carotte pour faire travailler les enfants. Mais là, c'est pas la carotte, c'est le chocolat. Victoria Posse, la meilleure façon est de manger ce chocolat avec du pain. C'est vrai que c'est pas mal aussi. J. Vincent, mangez-le un morceau à la fois. On y va tranquillement. Rice, je vous en prie. Rice Cassidy, merci beaucoup. Victoria Jacques, chocolat au lait avec du merlot. Oh, alors ça, c'est intéressant. Et Olga qui dit, je mange le chocolat rapidement. Merci. Allez, histoire de France, et la première chose que nous allons voir s'est déroulée en 1841. 1841, loi sur le travail des enfants. Loi sur le travail des enfants. S'il vous plaît, écrivez la phrase. Alors, le premier mot ici, c'était loi. Hein. Loi, c'est un substantif, c'est féminin. Une loi, la loi, et on l'écrit L-O-I. Ensuite, sur le travail, souvenez-vous, travail, vous l'avez bien écrit, mais bon, T-R-A-V-A-I-L, c'est un substantif, c'est masculin. Un travail, le travail. Et puis, enfant, eh bien, au pluriel, puisque c'est des enfants, E-N. FANTS. Donc, loi sur le travail des enfants. Et donc, en France, c'est en 1841. Deuxième chose, on y va en 1848. Instauration du suffrage universel direct. Instauration du suffrage universel direct. Écrivez la phrase, s'il vous plaît. Alors, regardons ensemble. Première chose, eh bien, c'est un substantif instauration. Hein. Souvenez-vous qu'instauration, c'est un substantif féminin, comme tous les mots en ion. On l'écrit INSTAURATION. Instauration.
Ensuite, suffrage. Suffrage, c'est masculin. Le suffrage, un suffrage. Je regarde, il y a quelques erreurs, mais bon, globalement, c'était bien. S-U-F-F-R-A-G-E. Le suffrage. Universel, adjectif, il doit être bien sûr au masculin, parce que suffrage, c'est masculin. Universel, U-N-I-V-E-R. S-E-L. Et finalement, direct, adjectif aussi, qui doit être au masculin aussi, D-I-R-E-C-T. Voilà, on continue avec la troisième chose. Et là, c'est en 1889. 1889, inauguration de la tour Eiffel à Paris. Inauguration de la tour Eiffel à Paris. S'il vous plaît, écrivez la phrase. Alors, regardons ensemble. La première chose, inauguration. Bah écoutez, pour l'instant, c'est bien. On l'avait déjà eu tout à l'heure. I-N-A-U-G-U-R-A-T-I-O-N. Féminin, substantif. Hein, une inauguration ou l'inauguration. De la tour. Tour, c'est un mot qui est féminin. Vous savez bien l'écrire. T-O-U-R. Eiffel, on va le mettre en majuscule ici, puisque c'est le nom de Gustave. Gustave Eiffel. E-I-F-F-E-L. Et puis Paris, même chose, hein, avec une majuscule, puisque c'est une ville. Donc, on met la majuscule P-A-R-I-S. En général, ça n'est pas problématique. Numéro 4. Numéro 4, attention, 1895. 1895, première représentation cinématographique des frères Lumière. Première représentation cinématographique des frères Lumière. S'il vous plaît, écrivez la phrase. Alors, regardons ensemble. Donc là, c'était un petit peu plus long, mais globalement, c'est très très bien ce que vous faites. Alors, première, donc ici, ça doit être au féminin, parce que représentation, c'est féminin. Donc, première sera au féminin, P-R-E-M-I-E, accent grave, R-E. Ensuite, cinématographique. Alors, c'est très très long. C'est un adjectif masculin ou féminin. C'est la même forme. Ici, logiquement, ce serait féminin puisque représentation, c'est féminin. Cinématographique. C-I-N-E accent aigu. M-A-T-O-G-R-A-P-H-I-Q-U.
Et puis finalement, les frères, hein, donc frères, vous l'avez bien écrit, accent grave, donc ça c'est clair. Lumière, le nom de famille, hein, donc bien sûr, on ne va pas mettre de pluriel à lumière puisque c'est leur nom. Le nom ne doit pas changer, on ne le met pas au pluriel, on le laisse comme il est, L majuscule, puisque c'est le nom de famille, U, M, I, E, accent grave, R, E. Allez, numéro 5, et voilà. 1900 ou 1900, attention, inauguration du métro à Paris. Inauguration du métro à Paris. Allez-y. Allez, si on regarde ensemble, inauguration, là on l'a déjà eu pas mal de fois, donc normalement c'est bien, vous l'écrivez bien, pas de problème. Métro, eh bien c'est masculin, un métro, le métro, n'oubliez pas l'accent aigu, d'accord. Et puis c'est pas vraiment nécessaire de mettre de capitale, hein. Et à Paris, bon bah écoutez, c'est pas problématique, donc inauguration du métro à Paris, et c'était en 1900. Voilà, merci beaucoup. Ce n'est pas parce que nous avons réussi à atteindre les 100 qu'il ne faut pas cliquer. Si vous êtes arrivé un petit peu en retard, mais ça n'est pas grave, vous pouvez cliquer sur le bouton like, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup. Allez, écoutez bien et on commence avec la première chose. Alors une toute petite seconde, je dois me mettre ici. Oui, voilà. Première chose, comme d'habitude, dans ces exercices, je vous l'ai dit, je ne donne pas la signification des mots. Je pense que c'est important pour vous de les chercher. On va juste se concentrer sur la prononciation des mots, d'accord ? Je vais le prononcer une seule fois. Vous allez écrire le mot que vous entendez. N'écrivez pas la lettre, s'il vous plaît. Écrivez le mot. Éminent. Alors, regardons ensemble. Et oui, c'était le premier. Le premier, c'était donc éminent. Éminent, d'accord ? On va prononcer les deux. Donc, le premier que nous avions, éminent. Vous le compactez, éminent.
le deuxième. I, mi, non. Souvenez-vous, on ne va pas prononcer les deux M. On va le prononcer comme imminent, éminent A, imminent B. Éminent, imminent. Allez, on continue numéro 2. Roman nous quitte, au revoir et à bientôt Roman. Passez une bonne soirée. Numéro 2. Attention, je vais le prononcer juste une seule fois. Évoquer. Allez-y. Alors, ouais, c'est très très bien, félicitations. Hein. Donc ici, nous étions à la recherche du premier, du A, évoquer, accent aigu, V-O-Q-U-E-R, évoquer. D'accord ? Reprenons les deux, évoquer le A, invoquer le B. Donc la différence, c'est la différence entre le E et la nasale, un, et, un. Évoquer, invoquer. On va les faire un petit peu plus court. Évoquer, invoquer. Allez, on regarde le numéro 3. Le numéro 3, attention, écoutez, écrivez le mot, s'il vous plaît. Justice. Alors, je regarde, oui, c'est très bien, effectivement. Donc, c'était le deuxième, hein, c'était justice, justice. Donc, J-U-S-T-I-C-E, justice. Alors, on regarde, enfin, on regarde, surtout, on écoute. Le A, justesse. Justesse. D'accord ? On compacte, justesse. Le deuxième, justice, I-I-I, on compacte, justice. Donc la différence entre les deux, le premier c'est E, le deuxième c'est I, justesse, justice. D'accord ? Allez, on finit. Ah non, non, encore deux. Quatrième. Lacune. Allez-y. Alors, regardons, il y a un côté années 70 hein, dans la musique. clairement, ça donne envie de danser un petit peu. Regardons ensemble, c'était le A. Le A, donc, c'est lacune. On est d'accord ? Le C avec le U, c'est k-k-k, lacune. Et le deuxième, alors le deuxième, donc le B, c'est g-g-g-g-g, lacune. Lacune. D'accord ? Le premier, lacune, et le deuxième, lagune. Allez, numéro 5, et ce sera le dernier pour cet exercice. Attention,
littérale. Allez, on regarde ensemble, et donc c'était effectivement le B, littéral, L-I-T-T, E, accent aigu, R-A-L, littéral. Regardons les deux. Le A, littéraire, et le B, littéral, littéraire, littéral. Eh ben voilà, voilà, merci beaucoup. Alors, n'oublions pas que demain, eh bien oui, je vais mettre encore ce petit accessoire pour fêter le fait que, effectivement, demain, je vais me faire vacciner à 12h. Normalement, ça ne va rien changer pour notre cours. Notre cours sera, bien sûr, comme d'habitude, eh bien écoutez, hop là, à la même heure. D'accord, s'il y a un problème, j'enverrai un petit message. Mais normalement, tout ira très très bien. Voilà, je vous quitte en vous proposant, comme d'habitude, une belle chose de Frédéric Lenoir. Et Frédéric Lenoir nous dit cette chose, à mon avis, assez importante. Pour la plupart des gens, le bonheur ne devient concret que lorsqu'il est perdu. Merci beaucoup, au revoir et à demain.
Thank you.